Je voudrais d'abord dire un grand merci à Sa Majesté le roi Mohamed VII du Maroc et Monsieur le secrétaire perpétuel, c'est grâce à vous que je peux être ici. Madame la Présidente déléguée de la Fondation, Monsieur le Président du Conseil national des droits de l'homme, Monsieur le Président national des musées, quelle belle initiative, Excellence, chers professeurs d'université, chers doctorants, et surtout, cher Bouaza Benachir, mon ami, permettez que, avant que je ne commence mon propos, que je puisse remettre un petit souvenir du Cameroun à Monsieur le secrétaire perpétuel pour que nous soyons présents dans votre bibliothèque. Hommage à un aîné d'Afrique, Léopold Sédar Senghor, le penseur, le poète et l'homme d'État. Abelimbi Omba, Abelimbi Topo, Abelimbi Langwa Miangoma Sédar Senghor, Numuna Sénégal, Ngomnin Dene, Nabambambe Badingelemo, Senghor Moutele Mangea, Na awumse na msango, musango mubenawa asengor. Fils du Sénégal, les tambours de l'Afrique profonde ont parlé pour que profondément tu reposes en paix. Je suis venu rendre hommage à un aîné, rendre hommage à celui qui mérite hommage. Je suis venu à Rabat, accompagné des voix profondes des belles, des tambours et des cloches des Sawa. Je suis venu à Rabat, accompagné des chants de gloire des peuples du Cameroun, pour dire un mot. Nous nous inclinons devant toi, Léopold Sédar Senghor, fils digne d'Afrique, issu des terres du Sénégal. Nous reconnaissons, tu as le mérite, et de t'encadrer, de te porter, nous demandons aux ancêtres. Honorable Assemblée réunie par l'Académie royale du Maroc, j'ai apporté un vieux livre publié aux éditions du Seuil en 1945 et 1948 que j'ai acheté dans les années 60 et qui m'a profondément marqué pour comprendre la complexité du personnage qu'est Senghor, champ d'ombre, hostie noire. Vous voyez, le livre est vieux, hein? Vous, tirailleurs sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort, qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang? Je ne laisserai pas la parole aux ministres et pas aux généraux. Je ne laisserai pas, non. Les louanges de mépris vous enterrez furtivement. Vous n'êtes pas des pauvres aux poches vides sans honneur. Mais je déchirerai les rires banania sur tous les murs de France. Car les poètes chantaient les fleurs artificielles des nuits de Montparnasse. Ils chantaient la nonchalance des chalands sur les canaux de moire et de cimard. Ils chantaient le désespoir distingué des poètes tuberculeux. Car les poètes chantaient les rêves des clochards sous l'élégance des ponts blancs. Car les poètes chantaient les héros. Et votre rire n'était pas sérieux, votre peau noire pas classique. Notre noblesse nouvelle est non de dominer notre peuple, mais d'être son rythme et son cœur. Non de paître les terres, mais comme le grain de miel, de pourrir dans la terre. Non d'être la tête du peuple, mais bien sa bouche et sa trompette. Qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang, vous tirailleurs sénégalais, mes frères noirs, à la main chaude, couchés sous la glace et la mort. Ce poème a été rédigé à Paris en avril 1940.
Ce poème liminaire dédié aux compagnons de la négritude, Léo Gontran Dama, avec qui Senghor et Césaire créèrent la revue L'étudiant noir en 1935, évoque la tragédie des Noirs se battant pour la France. Moins de 2 mois après ce poème, le 14 juillet 1940, les unités d'avant-garde de la Wehrmacht allemande descendent la rue de Flandre à 5h35 du matin et se dirigent en direction de la gare du Nord. Paris est pris. Comment les Français ont-ils encore, cette fois-ci, comme en 1914-19, osé apporter des Noirs armés de surcroît dans un conflit entre Blancs? Sind Schwarze da? Y a-t-il des Noirs par là? La Wehrmacht dénie aux officiers supérieurs noirs les honneurs militaires réservés à leur rang. Les soldats noirs, eux, sont pourchassés et mis à mort dans une chasse au gibier. Le 29 juin 1940, devant le couvent de Montluzin, à quelques kilomètres du bourg de Chasselet, les soldats allemands font placer les soldats noirs dans un champ. Témoignage d'une sœur du couvent. Tout à coup, un feu nourri se mit à crépiter et des hurlements retentirent. Il nous était facile, en levant les yeux, de voir la scène qui se passait à moins de 20 mètres. Les tirailleurs noirs, bras en l'air, venaient de recevoir à moins de 10 mètres une décharge générale de balles de mitrailleuse lourde et une grande partie était fauchée aux premières salves. Certains, protégés par leurs voisins, n'ayant pas été touchés du premier coup, s'enfuyaient dans toutes les directions. Je revois encore les grenadiers Panzer ajustant tranquillement leurs fusils et tirer sur nos malheureux tirailleurs noirs comme des lapins. Au bout d'un quart d'heure interminable, plus rien ne bougea dans la nature. Fin de citation. Plus de 3000 soldats noirs furent ainsi massacrés par la Wehrmacht en France. Senghor, fantassin de deuxième classe au 31e régiment d'infanterie coloniale, est fait prisonnier le 20 juin 1940 à la Charité-sur-Loire et échappe de justesse à l'exécution par les Allemands ce jour même. Il vivra l'humiliation pendant 2 ans comme prisonnier de guerre, mais en captivité, l'homme de culture va découvrir la pensée et la littérature germanique. En 1968, il publiera « Négritude et germanisme » et écrira ceci, je cite, « Cependant, les militants de la négritude qui ont goûté à la ferveur germanique en gardent toujours la saveur. » En avril 1979, fut organisé le 12e congrès de l'Association des germanistes de l'enseignement supérieur à Dakar sous le thème « Négritude et germanité ». Senghor, président d'honneur du Congrès, président de la République du Sénégal, ouvrit la cérémonie en célébrant les âmes sœurs des Allemands et des Africains. Jeune germaniste et historien camerounais bouillonnant de patriotisme, spécialiste des visées de Hitler sur l'Afrique et venant de l'Université de Lyon, j'ai ouvertement apporté la contradiction à Senghor quand je pris la parole, en faisant un rappel historique très douloureux des relations entre l'Afrique et les Allemagnes et en affichant mon incompréhension de la thèse de Senghor et mon indignation. Ce fut un tollé, surtout pour l'université française que j'aurais représentée indignement. Mais la contradiction eut lieu. Dans un auditorium plein à craquer, personne au Sénégal ne m'a jamais inquiété. Et ce, en 1979, dans une Afrique de dictatures triomphantes et de musellement des intellectuels indélicats. Un politique qui a des intérêts bien précis à défendre, soit, mais Senghor, homme de pensée, d'écriture, intégrant le débat dans le processus de la bâtisse qu'il aimait bien appeler civilisation de l'universel en gestation. Aujourd'hui, que septuagénaire, je relis la prière de paix de Senghor
dédié à Georges et Claude Pompidou en janvier 1945, je mesure le sens profond du pardon chez l'homme Senghor. Je décèle le pourquoi de son attachement indélébile à la France. Je cite, « Seigneur Dieu, pardonne à l'Europe blanche. Il est vrai, Seigneur, que pendant 4 siècles de lumière, elle a jeté la bave et les abois de ses molosses sur mes terres. Et les chrétiens, abjurant ta lumière et la mansuétude de ton cœur, ont éclairé leur bivouac avec mes parchemins, torturé mes talibés, déporté mes docteurs et mes maîtres de science. Seigneur, pardonne à ceux qui ont fait des askias, des maquisards, de mes princes, des adjudants. Car il faut bien que tu pardonnes à ceux qui ont donné la chasse à mes enfants comme à des éléphants sauvages. Et voilà que le serpent de la haine lève la tête dans mon cœur, ce serpent que j'avais cru mort. Tue-le, car il faut poursuivre mon chemin et je veux prier singulièrement pour la France. Seigneur, parmi les nations blanches, place la France à la droite du Père. Oui, Seigneur, pardonne à la France qui est les occupants et m'impose l'occupation si gravement, qui ouvre des voies triomphales aux héros et traite ses Sénégalais en mercenaires, faisant d'eux des dogues noirs de l'Empire. Bénis ce peuple qui m'a apporté ta nouvelle, Seigneur, et ouvert mes paupières lourdes à la lumière de la foi. Je vous salue tous d'un cœur catholique. Oh, je sais bien que plus d'un de tes messagers a traqué mes prêtres comme gibier et fait un grand carnage d'images pieuses. Fin de citation. Senghor est conscient des ravages de l'esclavage, évoque les foudres de l'évangélisation et rappelle les destructions durables du système colonial. Mais il s'applique à l'effacement de la haine à l'intérieur de lui-même. Il appelle les Africains au pardon. Et dans cette foulée, il demande à Dieu de placer la France à la droite du Père. Donc, les clés de la politique de Senghor se trouvent ainsi dans ce premier recueil « Chant d'ombre ostinoir ». Et la francophonie devient une évidence. Les Africains sont appelés à former avec l'Europe, mais surtout avec la France, un arc-en-ciel de la paix. La carrière politique de Senghor est ainsi tracée très tôt. La France ne peut que soutenir pleinement son représentant africain comme député français du Sénégal et de la Mauritanie pendant 13 ans, ministre conseiller de la République française pendant presque 2 ans, président de la Fédération du Mali pendant 7 mois et président de la République du Sénégal pendant plus de 20 ans. D'octobre 1945 à décembre 1980, donc pendant 35 ans, Léopold Sédar Senghor, dans son fort intérieur et dans sa gestion politique, incarne l'image de l'Africain indéfectible, la France. Au-delà de ses convictions profondes et de son attachement comme viscéral à la France, la réelle politique, qui divisa le monde en 2 camps après la Deuxième Guerre mondiale et imposa l'alignement à l'ouest de la plupart des pays africains, avec le parti unique comme garantie de cet alignement, confortait Senghor dans son ancrage sans condition à la France. Même au Sénégal de Senghor, ceux qui s'opposeront au parti unique à ce moment-là en paieront les frais lourdement. Mamadou Diaye et Val Diodo Ndiaye furent les victimes de cette ligne dure et sans concession. Mais Senghor était un grand créateur intellectuel. Son génie exceptionnel de penseur, de poète et d'écrivain le conduiront inéluctablement comme premier Africain à l'Académie française. Il devient immortel pour la France et nous, Africains, serons soulagés d'apprendre que le Sénégal avait réussi à rapatrier la dépouille de son premier président de la République, décédé en 2001 à Verso en France pour l'inhumer en terre du Sénégal. Senghor demande pardon à Dieu en faveur de celui qui a fait du tort à son peuple, sans demander ni compte ni réparation à l'oppresseur. Nous autres en avons profondément souffert dans les pays africains, dit francophone. Et c'est dans cet esprit qu'il faut aussi comprendre le conflit entre les 2 grands penseurs du Sénégal, Léopold Sédar Senghor et Cheikh Anta Diop.
Quand je rends visite à Cheikh Khanta Diop dans son laboratoire radiocarbone en 1979, ce savant sénégalais qui a révolutionné l'écriture historique de l'Afrique me fait comprendre que Senghor lui interdit d'enseigner à l'université de Dakar. Je le cite, « C'est dans ma bibliothèque que j'ai construite avec un maçon érigeant parpaing après parpaing, dira Cheikh Khanta, que je reçois chercheurs et visiteurs venant du monde entier. » Faire taire les intellectuels africains critiques qui ont du génie et qui sortent des sentiers battus du maître colonial, les faire taire par leurs propres frères à qui l'ancien maître colonial donne le pouvoir, je retrouvais la situation classique des pays africains au Sénégal. Du 8 au 9 janvier 1986, Cheikh Khanta Diop prononce des conférences inoubliables au palais des congrès de Yaoundé. Me rendant visite à la maison, mes enfants, encore petits, lui demandent curieusement d'expliquer ce qui se passe après la mort. Mes enfants avaient quoi ? Entre 8 et 13 ans. Et nous avons enregistré cette conversation. Et Cheikh Khanta d'expliquer patiemment les différentes étapes du circuit dans l'au-delà. Seulement quelques semaines après, le 7 février, Cheikh Khanta Diop rend l'âme dans son pays. Au Cameroun, nous lui rendons un vibrant hommage et nous préparons à créer un institut ou une université Cheikh Khanta Diop. Mais les Sénégalais prennent le devant et rebaptisent l'université de Dakar en mars 1987, université Cheikh Khanta Diop. Portant au fronton la devise « Lux mea lex », « La lumière est ma loi », devise initiée justement par Léopold Sédar Senghor, qui, depuis 7 ans, n'était plus président de la République au Sénégal. Mais alors, Senghor part-il du pouvoir par un coup d'État, comme c'était de tradition en Afrique postcoloniale ? Après 35 ans de politique, il quitte le navire présidentiel et passe le relais à Abdou Diouf. Pas d'effusion de sang. Il se retire et se consacre à la pensée, à l'écriture et à la culture. L'UNESCO et l'Association des écrivains de langue française me permettent de le côtoyer de temps en temps furtivement lors des dédicaces d'auteurs, quand j'affûtais encore mes premières armes d'écrivain en France. Senghor a la délicatesse et l'amabilité de nous écrire, mon ami Jean-Yves Loud et moi, quand nous publions nos échanges épistolaires avec le livre intitulé « Dialogue en noir et blanc », édité par Présence africaine en 1989. Il nous remercia en rapprochant notre travail de la pensée de Teilhard de Chardin. Avec l'âge et avec le temps, aujourd'hui, les vagues se calment. Nous avons souffert de ton lien indélébile avec l'envahisseur européen et français, devenu partenaire sans qu'il se repentisse. Nous t'avons apporté la contradiction de jeunes intellectuels, Senghor. Mais nous t'avons lu, nous avons admiré la beauté, la finesse et l'invention dans ta langue. Nous avons apprécié la profondeur de ta pensée, vanté l'héritage constitué pour les peuples d'Afrique, pour les peuples du monde. Liberté 1, liberté 2, liberté 3, liberté 4, liberté 5. Et pendant que tu étais encore avec nous, tu as structuré l'héritage dans lequel tu as déposé l'œuvre de ton génie, la fondation Léopold Sédar Senghor. De ton vivant, tu as pérennisé. Nous te disons un grand merci. Abelimbi Oba, Abelimbi Topo, Abelimbi Langwa Miangoma Sédar Senghor, Noumouna Sénégal, Ngoumnin Dene Nabambambe, Badingelemo, Senghor Moutele Mangiana, Aoum Senam Sango, Moussango Mbenawa, Atete Senghor. Que les tambours grondent, que les tambours parlent, que les tambours racontent l'épopée de Sédar Senghor, ce fils du Sénégal. Voici un héros pour que les ancêtres, dans leur cercle, l'insèrent. Sois dans la paix, Léopold Sédar Senghor. Merci.